toi tu dis qu'on ne fouille pas, je ne fouille pas. On ne fouille pas. On ne fouille pas. Mm-hmm. Moi je vais fouiller. On ne veut plus de relations inutiles. C'est quelle histoire ça en fait? Gars, assez beau. Non. C'est qu'à un moment, il faut pas exagérer. Comment tu ton ami peut dire qu'elle aime quand il fait l'amour avec toi? Alexia. Laisse-moi. Il essaie à faire d'amour là, c'est pour les bourses. Ok, on s'est retrouvé pour un test de fidélité. Vous connaissez déjà la chanson. Moi, je vais gâter. Les gars, désolé, j'espère que vous ne dérangez pas, les gars. Ne vous dérangez pas, et j'espère. Non, il n'y a pas de problème. Ne vous dérangez pas. Non, il n'y a pas de problème. Ok. C'est un couple. Oui, on est en couple. Vous êtes en couple. Ah non, c'est en couple. Bon. Vous aimez? Yes, bah, si tu poses quelques questions comme ça. Ouais, tu sais, vous savez bien, moi, pour moi, j'ai dit, l'amour, c'est pour les boss. Mm-hmm. Tu es un boss. Ouais, je suis boss. Ah bon, enfin, tu es un boss. Je suis boss. Ok, bro, tu t'appelles comment? Peter. Et toi? Alex. Alex. Oui. Vous êtes en couple depuis combien de temps déjà? 3 ans. Bon. Comment ça, c'est toi qui réponds avant elle? Pourquoi c'est toi qui réponds? Parce que c'est quelque chose qui est dans. C'est naturel. Nous tous on connaît ça. 3 ans déjà, ça. Ah ouais. Ok. Moi, j'ai dit déjà. Moi, je teste la fidélité des gens. Donc, sinon, vous êtes fidèle. Fidèle à 200%. Ah bon? Très, très fidèle. Très, très fidèle. Ouais. Ah bon? Très, très. Ouais, ouais. Ok. Vous avez dit que vous êtes en couple depuis 3 ans déjà. 3 ans. Voilà. Vous me dites que vous vous aimez. Bien sûr. Ah bon? Ça ne va pas. Ok. Si vous vous aimez alors. Tu as dit que c'est Peter, c'est ça? Ah, c'est Peter. Dis bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Regarde la caméra, tu dis bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Voilà. Moi aussi, okay. Je t'aime. Ah, réponds aussi, bébé, je t'aime à la bébé, caméra. Bébé, je t'aime. Voilà. Les gars, apparemment, c'est comme si on a trouvé alors le couple fidèle de Yaoundé. Peut-être. Moi, je dis rien, moi, je ne connais pas. Ok. Voilà, désolé un peu, je vais un peu vous séparer un peu seulement pour la vidéo. Comment s'il vous plaît. Je vais un peu vous séparer. Il veut pas prendre ta go ni ton gars. Il a peur de toi. Hein. Non, bon. Moi je suis un gars sérieux. En couple. Donc ça ne me concerne pas. Ok. Déjà vous m'avez dit que vous êtes en couple ce soir. Mm-hmm. C'est bien, c'est une bonne chose. Depuis combien de temps déjà? 3 ans. 3 ans de temps. 3 ans de relation. Ouais, 3 ans de relation. Ok. Vous êtes rencontré où déjà? Que ça se retrouve à 3 ans de relation? On s'était rencontré au spécial bac. Au spécial bac? Mais on a eu le bac, ça fait quelques années. Donc on s'était rencontré quand on partait arroser le bac. Ah ok. Mm-hmm. Ok, bon. Donc, pendant qu'on est pas au spécial bac, pour enjoy. Toi tu peux vous craquer les femmes. Mais elle m'a intéressé, elle était tellement belle la soirée. Elle était tellement belle la soirée. Ouais. Donc c'est comment bien? Toi tu as laissé tes bros qui dans un joker pour qu'on craquer la go. C'est normal, mon gars. C'est normal. Donc tu vois comment elle est belle. Moi je ne sais pas mon gars, c'est toi qui vois ta go, c'est pas moi. Moi je ne vais pas dire que ta go est mou, moi je ne vois rien. Il y en a les lunettes, donc je ne vois rien. Ça s'est passé comment alors? Explique un peu. Bon, il est quand il est rentré, on était assis, on prenait un pot et tout. On s'est échangé des paroles. Mmh. Donc le feeling est entré. Oh ok. C'est comment ça s'est passé? Bien sûr. Non. Et moi, puis il m'a demandé mon numéro. Il veut ta version de l'histoire. Voilà. On s'est rencontrés comme ça. C'était du genre, moi j'étais avec mes copines. Non. Ouais. Lui aussi était avec ses bros. Non. Voilà, non. Maintenant, alors, comme on était entre filles, était entre garçons, mm-hmm. On a donc décidé de partager la même table. Ah, okay. Voilà. C'est intéressant à moi. Une table de 2 places. Ah, ou bien avec ses amis et tout. Non, on a, comme j'étais avec mes copines, non. Ouais. Lui était avec ses bros. On a donc décidé de se mélanger sur la même table. Non. Il s'est intéressé à moi directement et puis il m'a demandé mon numéro. On a causé quand même toute la soirée. Ah. C'était un peu réciproque donc. C'était un peu réciproque. Hein. Mm-hmm. Ok. Moi j'aimerais d'abord savoir. Vous avez dit que vous avez 3 ans de relation. Oui. Après le spécial bac. Pourquoi à 3 ans? Les gens se marient mais après 1 an. Pourquoi à 3 ans vous sortez seulement encore ensemble? Ah. On est encore jeune. Oui. Ah bon? On a encore les choses à accomplir avant de passer au mariage. Les gens se marient à 20 ans. Hein. Ah, c'est pour eux là-bas. Toi, vous ne pensez pas encore au mariage? Pas encore. Toi, dis la vérité parce qu'elle a dit qu'elle ne pense pas au mariage. Toi, tu penses à quoi? Je parle au mariage, mais ce n'est pas la cause. C'est pas la cause, hein. Ouais. Tu lui as parlé que tu veux l'épouser? Bah, pas encore. Ton père. Je ne sais pas s'il me fait une surprise. Ah bon? Mm-hmm. Mais s'il te fait une surprise, est-ce que tu seras d'accord? Parce que je dis que ce n'est pas au mariage. Bien sûr. Tes parents la connaissent? Bah oui. Qui? Quels parents? Mon père et ma mère. Ils la connaissent? Oui. Depuis combien de temps déjà? 3 ans.
Attends, donc tu as gragué la go, la même manière tu as présenté tes parents. Bon, on a fait au moins 2 à 3 mois. Mm-hmm. Après, quand on a terminé le 4e mois, il a amené à la maison, elle a rencontré ma mère lors d'une réunion familiale. Mm-hmm. Elle est venue aider ma mère à travailler, bon, c'est ça. Réunion familiale. Ouais. Tu es de quelle origine? Parce que c'est qu'il y a une certaine origine qui aime souvent. De l'Ouest, de l'Ouest. Tu es de l'Est. Ah, là, c'est une réunion familiale que tu as présenté, ta copine, c'est ça? C'est ça. Ah, ok. Et toi, tu es de quelle origine? Parce que... Moi, je suis du centre, je suis étonné. Tu es étonné. Mm-hmm. Mais. Étonné, étonné, Bamleke. C'est un très bon mélange. Mince. Regarde, avant de juger, étonné, Bamleke. Moi, j'ai jamais vu. Oh. En tout cas, je vais voir. Mm-hmm. Ok, ok, les gars. Vous avez vu que c'est en couple, c'est bien. Et moi, je vous ai déjà dit, moi, je suis là pour gâter ou arranger. Voilà, le concept est simple, les gars. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du test de fidélité. Oui, j'ai entendu parler du test de fidélité. Tu as vu un test de fidélité? Bien sûr, j'ai vu les tests de fidélité. Ça finit souvent comment? La majorité se sépare toujours. Ah bon? Mm-hmm. Il y a toujours un qui crompe l'autre. Ah bon? Mais je ne pense pas que ça sera le cas. Hein. Exactement, on ne peut pas? Impossible. On se fait confiance, donc. Vous faites confiance? Oui. Tu lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et toi, tu lui fais confiance? Je lui fais confiance. Tu fouilles sur son téléphone. Dis-moi en vrai, tu fouilles sur son téléphone? Non, non, je fouille pourquoi? Tu fouilles pas? Ouais, il fouille pas. Tu fouilles jamais son téléphone? Il fouille jamais son téléphone. Jamais? Jamais. Et toi? Moi? Moi, je fouille parfois. Fouille parfois, ouais. Mm-hmm. Comment? Il te pose son téléphone, je prends, je fouille. Je connais son code, non? Ah, tu connais son code? Oui. C'est bon. Donc, tu fous mon téléphone? À mon absence, madame. Non, toi-même, si tu déposes le téléphone, si peut-être. Ah non, en tout cas, je ne cache rien. Tu ne caches rien? Ouais, je ne cache rien. Tu dis que tu ne caches rien? Mais non, 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 je ne cache rien. Je cache pourquoi? Tu ne caches rien? Je ne cache rien? Je ne cache rien, c'est comme ça. Vous ne vous cachez rien? Vous ne vous cachez rien, c'est ça? Oui. Ça veut dire que si entre temps, moi, je décide aussi de vous aider à fouiller. Quand vous ne fouillez pas, non, vous, ça ne vous dérange pas parce que personne ne cache rien. Non, non, non. Le problème, c'est que moi, je fouille à son téléphone et lui, il est tellement mature qu'il n'a pas besoin de mon téléphone pour savoir si je l'aime ou si je le trompe. Donc, il me fait confiance. Exactement. Totalement. Tu fouilles sur son téléphone, c'est ça? Oui, moi, je fouille son téléphone. La dernière fois que tu as fouillé son téléphone, c'est quand? La dernière fois, c'était la semaine passée. La semaine passée? Mm-hmm. Tu sais ce qui peut se passer en une semaine? Non, je ne sais pas. Bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais calme comment, mon beau? Toi, tu ne fouilles pas son téléphone. Ouais. C'est l'occasion pour toi de fouiller aussi, de voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Non, il n'a pas. Il sait que non, il n'a même pas confiance. Besoin de fouiller mon téléphone. Fais confiance. Très bien, je fais confiance. Non, c'est comment bien? Tu n'as pas besoin de fouiller son téléphone. Pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. On fait alors comment? Moi, je suis là pour fouiller. Si tu veux fouiller, tu fouilles ça. Papi, si nous tous on connaît ce qu'il y a dedans, donc on voit que ça ne sert ni Marie. Bon. Elle a dit qu'elle a déjà eu à fouiller ton téléphone. Ouais. On fait comment? Ah, tu peux prendre, tu montes. Hein. Moi, j'ai pas un problème. Tu n'as pas un problème? J'ai pas un problème. Donne ton téléphone alors. Toi? Quoi? Tu as donné son téléphone pour qu'on fouille, non? Mais comment se passe son téléphone? Non? Tu as son téléphone en main, tu veux faire quoi avec mon téléphone? Comment se passe son téléphone? Il a donné son téléphone. Son téléphone, tu l'as donné. Je vois. Comment se passe ça? Tu as ça en même. C'est même toi qui l'as mis en photo de profil même. Eh alors, c'est pas si même, c'est mon gars. C'est ma bonne gars. Mais si dépassé. Il y a mec qui a en photo de profil. Non, ta mère, non, mon frère. Non, comment non, ça? Non, il sort avec sa mère. Après, sa mère, c'est moi, donc je ne sais même pas. Ah, c'est. Ma chérie, on est là pour un test de fidélité. Mm-hmm. C'est vrai qu'habituellement, on propose de l'argent. Mais quand vous voyez, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Non, il ne va pas venir dire ça qu'on gagne 10 000, 20 000, 50 000. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'argent. Voilà. Si vous trouvez, vous êtes devant les grandes maisons, peut-être que c'est votre quartier. Non, c'est notre quartier. Voilà. Donc, il sait qu'on n'a pas besoin d'argent. Donc, il n'est pas question de gagner de l'argent. Ouais. Toi, tu dis que tu es suivi à ta go, c'est ça, non? Tu es fidèle à ta go. 100%. Toi, tu dis que tu es fidèle à ton mec, non? Oui, je suis fidèle. Parce que le téléphone, tu l'as donné. Donne si tu n'as pas, on aide à fouiller. Non, moi, je veux que tu fouilles d'abord son téléphone. Parce que tu as ça en main. Dès que tu finis avec son téléphone, maintenant il peut donner aussi son téléphone. Pourquoi tu refuses de ton téléphone? Il refuse de donner mon téléphone. Il ne refuse même pas. Toi, tu sais que je ne te cache rien. Pourquoi tu refuses de ton téléphone? Il ne refuse pas de donner mon téléphone. Donne ton téléphone. Voilà. Tu commences à fouiller d'abord chez toi. Non. Donne ton téléphone, Alexia. Commence à fouiller chez lui. Donne ton téléphone. Moi, je suis d'accord avec lui. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Va mon téléphone donner. Donne ta panfouille. Commence d'abord chez lui. Il va commencer chez lui, mais donne ta part de téléphone aussi. Arrête, arrête.
Ok. Déverrouille ton téléphone. C'est mieux de commencer. Il va même commencer même pour elle-même. Ok, là, c'est grave. Déverrouille le téléphone. Je ne peux même pas déverrouiller. Soit déjà, tu commences. Grave, non, 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 je ne peux pas accepter. Dis-vous ton téléphone. Non. Ah, chérie. Ah, chérie, s'il te plaît. Je ne peux pas, je ne peux pas accepter. Tu dis que tu es fidèle à ton gars. Je suis fidèle. Où est le problème alors? Déverrouille simplement ton téléphone et on. Parce que tu veux commencer par mon téléphone. Voilà la différence. Tu t'as donné en premier, non? Fouille d'abord. Mais tu as refusé de taper pourquoi alors? Voilà, tu as refusé de taper. Non, ça va, ça va. Tu caches, bro, tu caches. Écoute, bro, c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est pas grave. On va fouiller sa part, on va fouiller ta part, je veux. Ok. Ouais, il manque, hein. Non, il faut commencer pour elle. Encore, ouais, il manque, mon frère. Ça va pas se passer comme ça. Moi, il débrouille le téléphone, non? Il faut commencer pour elle. Non, non, là, C'est normal, bon, non normal. En plus, c'est elle qui... Non, vous vous êtes entendu. Hein. Non, c'est pas entendu, non, mais... Non, vous vous êtes entendu. Parce que c'est ce que tu fais les jus, c'est pour une raison, en fait. Exactement. Voilà, on va commencer. Non, comme je fais les jus, ça veut dire que c'est moi qui suis infidèle à l'autre. Là, tu caches quelque chose, tu caches. Nous, on est fidèles à notre couple. On n'a même pas besoin de tes tests, là. Ma chérie, ma chérie. Non, là, maintenant, c'est y a un peu. Donc, tu caches. Là, tu ne fais plus confiance. Non, non, non. Fouille, fouille, gars, fouille. Non, à cause de lui comme ça, un petit instant comme ça, toi, tu me fais plus confiance. Non, j'ai un peu. Fouille, fouille, gars, fouille. On va même passer même une heure de temps en bas, on n'a même pas recommencé à fouiller. Yo, fouille bien, je ne fouille pas. Moi, fouille, j'ai fouille. Dit que tu ne fouilles pas. Fouille, fouille, moi j'ai dit fouiller. Yo, écoute. Tu as dit qu'on fouille. Yo, fouille. Si toi tu dis qu'on ne fouille pas, je ne fouille pas. On ne fouille pas. On ne fouille pas. Mm-hmm. Moi je vais fouiller. Attends, pas le fouille, pourquoi? Moi je vais. Bon, on ne gère pas son avis, tiens, non. On va fouiller. Tu as dit qu'on fouille, tiens. On fouille. Tu as donné ton téléphone, c'est là, no stress. Exactement. Tu as donné sa position, on fouille. Là, c'est comme ça que vous faites ici. Et c'est quand même ceux qui voient la vidéo, s'ils veulent qu'on fouille. Non, non. Et on va fouiller. On ne veut plus de relations inutiles. C'est quelle histoire, ça, en fait? Tu avais ton gars, tu dis que j'ai suivi à ton gars, mais on demande de fouiller le téléphone. Tu crames. Le téléphone, c'est à combien d'heures le couple? C'est dans le téléphone que tout se passe. Ah non. Non, on n'a jamais eu besoin de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu viens. En tout cas, non. Tu as appris, fouille seulement. Je vous ai encore verrouillé, pardon. Non, déverrouille seulement. Je sais que si tu arrêtes le téléphone là, ça va partir. Je sais que ça va partir. J'ai peur de moi. Je sais pas, la femme c'est le diable. Hein. Ah bon? Pardon. Mon beau. Ouais, gars. Déjà, tu as reçu le numéro de ton gars comment? Tu as reçu le numéro comment? Mon humain préféré. Ton humain préféré? Mm-hmm. Voilà. Un enfant! Et toi, beau, tu as reçu le numéro de ta gueule comment? M'appelle. M'appelle. Ouais. Bon, mon numéro préféré là, c'est long, hein, mon frère. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. On fait bien vous placer. Je sais pas, le photographe doit bien voir. Il doit bien voir ce qui se passe ici en live. Toi, tu as enregistré mon numéro préféré. Oui. Et toi, tu as enregistré ma peine. Ok, mon beau. L'humain préféré de Alexia, tu préfères qu'on fouille où? Bon, il y a sa copine là qui cause trop souvent. Tu veux qu'on fouille dans quelle application? Dans WhatsApp. Dans WhatsApp. Ouais. Il n'y a rien là-bas. Tu vas voir, non. C'est ça qui est aussi des SMS. Tu peux faire WhatsApp. Je peux faire WhatsApp. Ouais, WhatsApp. Ouais. Ok, ça veut dire que nous on va rentrer dans WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, on entre dans WhatsApp. Voilà. On tape quoi? Il y a ça. Non, on tape quoi? Toi, tu veux qu'on tape quoi? On tape quoi non? Qu'est-ce que tu quel mot? Qu'est-ce qui peut t'intéresser? On tape quoi dans son WhatsApp? Tu le connais pas? Si tu veux, tu tapes. Non, ça bébé, va, ça va. C'est une personne que moi j'appelle bébé, donc je ne vas tu le connais pas, moi je vais gérer. C'est un petit problème. Je connais comment gérer. Je connais comment rappeler les bandits. Ok. Comme je n'ai jamais fait son téléphone, je ne sais pas que. Pourquoi tu dis de taper bébé? Pour commencer d'abord dans ton WhatsApp, tu as les conversations verrouillées. Tu verrouilles les conversations pour quelle raison? Fais voir un peu. Elle a déverrouillé. Voici la conversation verrouillée. Voici verrouillée. Quand tu vois c'est verrouillé comment. Quand tu glisses comme ça. Pourquoi tu verrouilles tes conversations? Pourquoi tu verrouilles tes conversations? Ce sont mes parents que je verrouille. Tu veux tes parents? Mm-hmm. Ah bon? Mm-hmm. Tu es sûr de ça? Je suis sûr de ça. Je pense pas. Tu peux déverrouiller avec les je ne peux pas. Vous voulez connaître ce que je cause avec mes parents? Alex, ça déverrouille. Je ne peux pas. Vous êtes dans WhatsApp, non? Fouillez ce que vous avez. Non, déverrouille les numéros bloqués là. Non, il n'y a rien. Ce sont mes parents. Ça ne sert à rien. C'est vrai que tu me trompes. Je ne peux pas te tromper. Te trompes comment? Tu me trompes. 3 ans de relation. Non, 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 pas 3 ans. Déverrouille ton téléphone ici là. De vous rue. Bon, allons-y. Voilà. Comment tu dis que tu parles avec tes parents? Mais ici, là, à côté, moi, je vois d'abord Mohamed. Mohamed, ton père s'appelle Mohamed? Non. C'est le nom de mon frère. C'est le nom de ton frère. Mm-hmm. Pourquoi tu veux te connaître avec ton frère?
Il te dit que c'est ma famille que moi je verrouille, non, parce que je n'aime pas trop quand quelqu'un touche mon téléphone, il lit les conversations avec ma famille. Maman, là, c'est mon grand frère. Ton grand frère. Il n'était pas présenté, mon grand frère. Parce, là, attends, parce que parmi les conversations verrouillées, voici, il y a Mohamed, il y a Dani. Dani, c'est mon petit frère. Dani, c'est ton petit frère. Mohamed, c'est qui? Mohamed, c'est le grand frère. J'ai dit ça, non. Dani, c'est le petit frère. Oui. Et Steve, c'est qui? Steve, c'est mon cousin. Donc, elle a verrouillé jusqu'à 5 conversations. Donc il y a ta famille. Elle a verrouillé jusqu'à 5 conversations. Il y a Mohamed, il y a Dani, il y a Steve, il y a Stéphane, il y a Franck. Donc, ce sont les 5 relations avec ta famille. Ils sont tes frères. Ils sont tes frères. Ah bon? On peut entendre des conversations avec mes frères. Amis proches aussi. Qui est ton frère et qui sont tes frères? Tu dis que Mohamed et Dani, ce sont mes frères. Le reste, non. Ce sont mes amis proches. Les amis d'enfance, non. Je veux un peu comme ça. Déjà, on doit bien voir ce qui se passe. Dans ton WhatsApp, tu as 5 conversations qui sont verrouillées. Tu as le numéro 1, Mohamed. Numéro 2, tu as Dani. Numéro 3, tu as Steph. Numéro 4, tu as Stéphane. Ce sont mes amis d'enfance. Et numéro 5, Franck. Ce sont mes amis. Ok. Bon, tu crois à ça? Je ne crois pas. Ah donc maintenant tu ne me fais je plus confiance. Je ne crois pas, madame. Je si crois un pas. Petit coup de tête comme ça, tu ne me fais plus confiance. 5 numéros de vie. En tout cas, on entre dans la conversation. C'est mieux. On commence à voir avec Mohamed. Parce que Mohamed là. Attends, on entre dans Mohamed. Elle écrit à Mohamed, merci pour le dépôt B. Et tel que Mohamed, c'est mon frère, non? Et tu écris ton frère, c'est comme ça qu'on s'appelle. Oui, non, si tu veux, non. Regarde. La madame. Seule personne que moi j'appelle bébé, c'est toi. Le reste, là, je suis les petits noms. Attends. Pourquoi Mohamed t'écrit hier à 23h, bonne nuit, bébé? Et toi, tu as répondu, merci, bonne nuit à toi aussi, bébé, je t'aime. Ouais, j'étais avec Mohamed, c'est mon donc, tu m'aimes, je t'aime, c'est ça, ton grand fatigue. Non. Le message que tu as envoyé hier à Mohamed. Non, quelle famille tu mets? La famille, je t'aime, dis-là. Commence. Donc, tu veux dire que toi, tu n'aimes pas tes soeurs, tu n'aimes pas tes frères. J'aime mes soeurs, mais je ne peux pas dire à ma soeur que je t'aime. C'est que ça commence quand même. C'est comme ça qu'on en a. Non, Alexa. Non, il te dit la vérité. Là, ça commence à être très mal. Je suis sûr que si on appelle Mohamed là, maintenant, même si on l'écrit, il va dire que c'est ton frère. Appelons. On n'appelle pas. Pourquoi on il est au travail, tu vas le déranger. Mais il va décrocher le téléphone personnel. Non. Moi, il te dit que Alex n'est pas disponible, il est au travail. En tout cas, on va le déranger. On n'a même pas besoin d'arriver jusqu'à là. Comment ton frère te dit bonne nuit, bébé, et tu réponds bonne nuit à toi aussi, je t'aime. Explique-moi un peu. C'est que c'est en fait que nous on a grandi. On s'appelle toujours avec les petits noms comme ça. On se dit je t'aime comme si les blancs. Donc nous on n'a pas les complexes là. Donc tu dis bonne nuit, je t'aime. À ton grand frère. Hé Alex, tu me dis que tu es fidèle. Il te dit que non. Non, trop c'est trop. Entre un peu dans la machine, Steve là. J'ai même pas encore fini la conversation. Hein. Non. Voilà. C'est comme si elle supprime les messages avec Mohamed. Elle ne supprime pas les messages. Voilà, avant-hier, Mohamed a écrit ici que bébé, tu me manques, que tu passes à la maison quand? Alexia. Elle a répondu cela. Tu as vu, non? Bientôt, j'arrive. Elle a dit bientôt, quand j'ai le temps, il vient bébé. C'est ça qui est écrit. Donc, c'est comme ça, là, tranquillement, tu te balades, tu dis que Mohamed, c'est ton grand frère, mais tu pars chez lui. Je n'ai pas souvent résisté à mon frère, non. Tu me manques, ça veut dire quoi? Ah. Que bébé, tu me manques, ça veut dire quoi, Alexia? Non, sois sérieux, ça veut dire quoi, Alexia? Ça veut dire quoi, comment? Ah, c'est beau. C'est pop. Tu t'es passé, gars. C'est pop. Tu t'es passé pour quoi? Une minute de silence, d'abord.